Ce dimanche 12 mars, Audrey Crespo-Mara s'est entretenue avec Jean Dujardin pour le portrait de la semaine dans 7 à 8 sur TF1. Pendant l'entretien, l'acteur a expliqué pourquoi Hollywood ne l'a jamais vraiment attiré, même après avoir remporté un Oscar en 2012. Le 22 mars prochain, Jean Dujardin est à l'affiche du film Sur les chemins noirs, réalisé par Denis Imbert. Pour en parler, l'acteur a accepté d'être le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8, l'émission présentée chaque dimanche par Harry Roselmack. Le long métrage raconte l'histoire de Sylvain Tesson, qui, un soir d'ivresse en 2014, a frôlé la mort en chutant d'un balcon. Si est-il grâce à la marche qu'il a pu s'en sortir. Vous avez l'Oscar, vous devez forcément quitter ce pays. Dans cet entretien, Jean Dujardin a parlé de son rapport à la France. J'aime bien aimer ce pays et j'aime bien le dire, parce que je pense que si est-il le gros problème de ce pays, si est-il qu'il ne s'aimait pas, ou pas assez, a-t-il confié. Et de reconnaître que parfois, il l'a un peu surjoué, avant de revenir sur ses propos et de préciser, j'ai été un peu chauvin. Au moment où justement, on imaginait que je ne le serais plus. Audrey Crespo-Mara est ensuite revenue sur ces rumeurs qui ont laissé entendre qu'il pourrait quitter la France pour aller vivre à Los Angeles. Qu'est-ce qu'on peut faire face à un fantasme? La messe était dite. Vous avez l'Oscar, vous devez forcément quitter ce pays. Eh ben non, a-t-il réagi. Je ne prends pas plaisir à jouer en anglais et de poursuivre, je ne veux pas être le plus riche, ça va très bien ce métier, ça allait très bien avant l'Oscar, ça va très bien encore parce que j'essaie de continuer, d'être cohérent avec mes choix. Mais ça n'a jamais été le Graal. Après cette victoire, Jean Dujardin n'a pas eu un grand rêve d'Amérique. Il a d'ailleurs expliqué pourquoi Hollywood, ce n'est pas pour lui. Déjà, je ne crois pas qu'un acteur français puisse bien jouer en français. Je ne prends pas de plaisir à jouer en anglais. Je trouve ça assez exotique de le faire de temps en temps, comme j'ai pu le faire avec George Clooney dans Le Loup de Wall Street, si est-il assez amusant mais parce que si est-il exotique et rare. L'idée est de revenir quand même à la maison mère, a-t-il dit. Et de conclure, mes meilleurs rôles sont ici, incontestablement. L'Oscar, ça n'a jamais été le Graal. Il a beau être le seul acteur français à avoir décroché un Oscar, hashtag Jean Dujardin reste discret, chaleureux, sans prétention. N'ayant pas de rêve d'Amérique. Lui préférant la France. Il est le portrait de la semaine des @audrey-bacrespo@tf1. pic.twitter.com/d7toxjoie, 7 à 8 @7 à 8, March 12, 2023.